Michel Pernaud, vous êtes de formation ingénieur, vous êtes un ancien directeur de recherche au CNRS en archéométallurgie. Peut-être qu'on aura besoin d'expliquer ce qu'est l'archéométallurgie. D'ailleurs, vous pourriez peut-être le faire tout de suite. L'archéométallurgie, c'est l'étude des pratiques relatives au métal dans les sociétés anciennes. L'archéométallurgie, c'est depuis la quête de minerais, la transformation en métal et la fabrication d'objets. Dans le cadre de notre rencontre d'aujourd'hui, on va surtout parler du métal à l'objet. Alors, vous êtes quand même très très attaché à la vulgarisation scientifique et je peux en témoigner parce que pendant plusieurs années, nous avons enseigné ensemble l'histoire des sciences et des techniques dans un master de l'université Michel de Montaigne. Et je pense que ça explique en partie la naissance de ce livre. Parce que ce livre, et je précise que ce livre m'a très agréablement surpris. Je pensais qu'il allait être ardu, l'histoire, 4000 ans d'histoire du cuivre, ça me paraissait peut-être un livre austère, scientifique, et pas du tout. D'abord, c'est un très beau livre, c'est un très beau livre, la couverture en témoigne, c'est un très beau livre, et très bien illustré, très bien présenté, et il montre à quel point vous êtes attaché à la fois à la transmission du savoir scientifique, et en même temps à vulgariser, à rendre accessible au plus grand public possible des choses, des connaissances qui, a priori, sembleraient être confiscatoires, confisquées par une catégorie de gens qui travaillent dans les laboratoires, etc. Oui, c'est-à-dire que ma formation d'ingénieur, effectivement, est responsable de ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que je m'intéresse à la fabrication des objets de la culture matérielle. L'archéologie s'intéresse à la culture matérielle, c'est sa source documentaire par rapport à l'histoire qui s'intéresse à la source documentaire textuelle. Et donc, l'idée, c'est de faire se rencontrer des spécialistes de différents domaines et que chacun, la première démarche de l'interdisciplinarité, c'est de prendre le temps d'écouter l'autre et de comprendre l'autre. Donc faire se rencontrer des historiens de différentes périodes qui, dans les circuits habituels, ne se rencontrent pas, un industriel, un praticien qui a été responsable d'une fonderie d'art, des métallurgistes de laboratoire, tous ces collègues, il faut qu'ils prennent le temps de s'écouter. Donc ça a été la base de ce programme de recherche. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle, finalement, vous avez choisi d'abord de créer une collection TA aux presses universitaires de Bordeaux et que vous avez aussi choisi, finalement, les presses universitaires de Bordeaux et Ausonius Éditions? Est-ce que ces deux maisons d'édition qui ont collaboré à la publication de cet ouvrage vous semblez les mieux placées pour porter, justement, ce message et cette volonté que vous avez de travailler en interdisciplinarité? Le programme de recherche a été soutenu financièrement par la région Aquitaine dans le cadre de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Donc ça fait déjà plusieurs institutions et il nous a semblé logique de continuer au niveau de la structure éditoriale, des structures éditoriales, d'utiliser celles qui sont à notre disposition dans la machine universitaire, à savoir donc les presses universitaires de Bordeaux qui sont plus de tradition, langue, littérature et histoire moderne et contemporaine, et les éditions Ausonius qui sont plus de tradition, histoire et archéologie de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Donc là aussi, il y a une interdisciplinarité. Un de mes buts est d'essayer d'effacer le plus possible les frontières parce que c'est la réalité de la vie. La réalité de la culture matérielle, c'est qu'on va s'intéresser à différents matériaux, on va s'intéresser à des choses liées à différents types de techniques, avec des histoires différentes qui s'ancrent plus ou moins loin dans le passé et qui vont vers différents domaines. De la vie, dans la vie courante, on ne sépare pas des disciplines. On vit avec toute la simultanéité des différents regards. Alors,
est-ce que c'est parce que vous êtes finalement historien quand même dans une certaine mesure, même si vous êtes archéométallurgiste, vous êtes quand même inscrit dans une démarche historique. Finalement, quand on regarde le livre tel qu'il est organisé, il y a 17, je crois, contributions qui sont organisées en chapitres. Et quand on regarde ces chapitres, on s'aperçoit quand même qu'il y a une progression chronologique qui va de l'Antiquité, le monde moderne, la Révolution industrielle. Et en même temps, dans votre livre, vous insistez sur le fait que, et là, parlons du cuivre, vous dites, quand on étudie historiquement le cuivre, il ne faut pas croire que ces différentes périodes, quand on passe d'une période à une autre, c'en est fini de la première et on commence une seconde, et c'en est fini de la seconde, on passe à une troisième. Vous dites qu'il y a des superpositions, il y a des cohabitations des techniques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cela? Oui, parce que l'organisation reste chronologique, parce que l'histoire des techniques renvoie beaucoup vers le cumul des savoirs. Donc il est intéressant de voir comment ça s'enchaîne, comment ça s'emboîte. Bon, le sous-titre du livre est « Fragments de rebond », parce que bien sûr la prétention n'est pas d'avoir tout examiné. Beaucoup d'autres livres sur le cuivre pourraient être écrits. Et donc des rebonds parce que l'histoire du cuivre commence par les tout débuts, c'est l'utilisation par la parure, parce que ce matériau est beau. Qu'est-ce que c'est que du métal? Du métal, c'est dense, c'est lourd. Du métal, ça brille. Et du métal, ça sonne. Et ça, c'est les propriétés importantes que les hommes des cultures anciennes ont tout de suite reconnues. D'abord, probablement sur l'or, parce qu'il existe à l'état natif dans la nature. Le cuivre, un petit peu, mais beaucoup moins. Et de développer cet usage du cuivre. Les hommes ont rapidement aussi développé l'utilisation d'alliage, c'est-à-dire de mélange qui conserve les propriétés métalliques, en particulier entre le cuivre et l'étain, qui permet d'avoir un jeu de couleurs, c'est-à-dire que le cuivre est rouge, l'étain est blanc, et donc en fonction de l'addition d'étain, de la proportion de l'addition d'étain dans le cuivre, on va passer du rouge au rose, au jaune similaire à l'or, et on peut aller jusqu'au blanc aussi. Donc on a tout ce jeu de couleurs avec des propriétés mécaniques intéressantes qui font que les hommes ont très vite aussi compris l'usage pour en faire des outils, pour en faire des armes. Et ça, c'est quelque chose qui reste important dans les débuts de la métallurgie. Le cuivre aujourd'hui, pourquoi on s'en sert encore aujourd'hui? Quelles sont les qualités du cuivre qui permettent de l'utiliser? Alors, il y a la conduction d'électricité, bien évidemment, qui représente à peu près la moitié de la consommation de la production de cuivre, qui est aujourd'hui de l'ordre de 17 millions de tonnes par année. Depuis les années 60, cette production a doublé. Et la quantité de cuivre utilisée était de plus en plus importante. Pour donner un exemple, dans un téléphone portable, il y a environ 15 grammes de cuivre en moyenne. Sur la planète, il y a environ 4 milliards de téléphones qui sont en usage. Ça représente 60 000 tonnes. 60 000 tonnes, si on met ça pour donner une image sur un fil de 1 mm de diamètre, ça fait 200 fois le tour de la Terre. Voilà l'ordre de grandeur. Et ça, c'en est qu'un petit morceau. Mais le cuivre, c'est pas seulement ça. C'est aussi des utilisations par rapport à ses propriétés abiotiques. C'est l'utilisation dans le transfert de l'eau, les tuyauteries, l'eau. Il y a un marché qui va peut-être se développer d'utiliser beaucoup plus le cuivre dans des contextes d'hôpitaux, par exemple, pour limiter la transmission des maladies nosocomiales. Peut-être, mais le cuivre coûte cher, ce qui est un des problèmes. Le cuivre est utilisé dans la musique, le cuivre est utilisé dans la parure des villes. Regardons autour de nous, dans une ville comme Bordeaux, il y a des statues en alliage à base de cuivre absolument partout, et pas seulement le monument aux Girondins. La Vierge de la Tour Péberlan, elle est en tôle de cuivre doré, c'est la même technique que la Statue de la Liberté
ajouté structure de fer, tôle de cuivre et feuille d'or. La maison des arts à l'université Bordeaux-Montaigne est recouverte de tôle de cuivre patinée, c'est-à-dire que les non-connaisseurs parfois imaginent que le cuivre doit être vert et que c'est un autre matériau qui est doré. Et ça, c'est aussi une vision fausse des choses. Le cuivre et ses alliages, le bronze, ça n'est pas vert. Regardez la plaque de votre médecin, de votre notaire ou d'un consulat. Il faut absolument que ça soit astiqué, que ça brille. C'est la symbolique, c'est une des symboliques du pouvoir, de la puissance, de la position sociale que d'exhiber du métal qui brille de couleur dorée. Mais moi, je suis sûr que ce que vous venez de dire va convaincre les lecteurs que ce livre est absolument passionnant et qu'il n'est pas du tout austère et ardu comme je le craignais au départ. Merci.